Le mercredi 13 août sur la scène Loto-Québec, Alex Nevsky sera en prestation à 20h, le gars qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un spectacle de chansons, figure-toi, durant lequel je présenterai mes chansons. Non, mais en fait, c'est loin du show en salle. En fait, j'ai comme éliminé les tunes vraiment plus smooth, puis j'en ai rajouté du premier disque qui était vraiment plus dansante. Fait que c'est vraiment un show, un condensé de toutes les tunes qui font bouger, là, en fait. Et là, ça va être ta première fois à l'international, le Montgolfière. Est-ce que tu serais willing d'essayer un tour en Montgolfière? C'est mon rêve. Okay. Vraiment, 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 vraiment. Ça fait plusieurs années. Là, si elle était complète, je serais partie déjà sans les avertir. Un grand merci et c'est un rendez-vous le 13 août à l'international Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu sur la scène de Québec. Est-ce que tu vas être là? Je vais être full là puis je vais danser avec vous autres. OK, parfait. C'est bon? OK, bye. Bye. En compagnie de Véronique Labbé qui sera en prestation sur la scène L'Étoile le mercredi 13 août. Qu'est-ce que tu vas nous présenter cette année? Country, certainement. Un close-up sur les bottes. Parce que faut les mettre, mais non, vraiment, si ça vous tente de vous ouvrir à la musique country, je pense que c'est le rendez-vous. Là, 2 ans, j'étais venue faire un tour aussi, puis il y avait vraiment une gang qui avait embarqué sur la piste de danse, qui était sur le gazon, finalement. Mais vraiment, ça s'avait transformé en un party. Mais c'est ça, je me promène de festival en festival, de salle en salle, puis vraiment une bonne réception avec le style que je fais. C'est de la musique festive, country, c'est vraiment une réunion de famille, comme on dit. Puis là, il y a des danses là, qu'on peut faire. On peut-tu se laisser avec 2 moves? Là? Moi, je vais jouer ton élève. Écoute, le move typique là, du country, là, vraiment, c'est le talon et là, le pointe du pied. Okay. On retourne sur le talon. Puis là, il faut avoir comme un peu de swag là, en même temps. Je suis sûre que là, tu t'attendais à avoir ce kick-là. Là. Ouais, vraiment. Voilà, c'est les mouvements du country qu'on peut apprendre pour être capable de s'installer sur la piste de danse. Mais vraiment, il faut se laisser aller. Puis les gens sont vraiment ouverts à essayer des danses country. Puis d'ailleurs, comme à Saint-Tite ou partout en festival, c'est ça qui se passe souvent. Là. Le monde embarque facilement dans cette frénésie-là. Là. Fait que venez faire un petit yee-haw! Mais oui! Quelques pas de danse devant la scène de l'Étoile le mercredi 13 août en compagnie de Véronique Labbé. Merci! En compagnie du groupe The Season qui sera en prestation sur la scène Loto-Québec le dimanche 10 août à 20h. Donc les gars, qu'est-ce que vous allez nous préparer pour le festival cet été? Ça va être on va aller faire la fête sur la scène complètement. On a tellement hâte que quand on va arriver, on sent qu'on va essayer d'être sérieux et de faire nos affaires, mais on sent qu'on ne sera pas capable et que rendu là-bas, on va juste complètement lâcher notre fou et en profiter. On peut faire un tour de Montgolfière gratuitement, là, on va peut-être faire un bon spectacle. Ah oui, essaye de cet été un tour là! C'est un message au directeur général. Est-ce que c'est bien reçu? Oui, on me dit que c'est bien reçu. On va essayer de s'arranger ça. Mais merci les gars. Donc, c'est un rendez-vous le dimanche 10 août 20h sur la scène de l'Auto-Québec. Ciao! Vous pouvez faire un peu de move de danse.